Henri Landier fait partie de ces peintres hors du temps. Quand la butte Montmartre grouille de touristes, lui, il continue à vivre comme dans les années 50, dans son atelier ouvert à tous, comme à l'époque où il côtoyait Jacques Brel, Brassens ou Léo Ferré. Quand les galeries d'art montmartroises cultivent le cliché parisien à coups de peinture à la chaîne, lui, eh bien, il continue à peindre des toiles d'une fraîcheur vivifiante, loin des images de cartes postales. Alors quand les peintres du dimanche s'attellent à dessiner un énième chaton dans un panier ou une nouvelle façade de bistrot, eh bien lui, il peint des fleurs. Notre artiste est sans doute le plus authentique des artistes montmartrois, celui pour qui 60 ans de création et plus de 130 expositions qui lui furent dédiées n'ont rien changé à son naturel et à sa simplicité. Son secret, eh bien c'est sans aucun doute son amour de la vie. Un artiste poète, sans le spleen de Baudelaire, avec la grâce de Ronsard et la justesse de Montaigne, qui nous énonçait il y a 450 ans que si la vie n'est qu'un passage, alors dans ce passage, eh bien ce monde est fleur. Une citation qui se fait ici véritable credo artistique autour de toiles qui nous invite à méditer, à prendre le temps. Le travail de Landier n'est pas sans rappeler l'énergie d'un Matisse, Matisse d'ailleurs avec qui Henri Landier partage non seulement sa palette lumineuse et son goût pour les couleurs flamboyantes, son talent aussi pour le trait et les lignes dignes du dessin de vitrail et sa passion pour la gravure, lui qui les réalise à la main avec sa presse historique comme nul autre encore aujourd'hui. Un grand artiste donc qui nous ouvre les portes de son magnifique atelier, merveilleusement fleuri pour cette exposition enchanteresse. L'atelier d'Art Le Pic prend ici des airs de jardin lors d'une promenade artistique tout en délicatesse, un hymne à la joie comme un bouquet de bonheur qui s'offre sans modération puisque l'exposition est totalement gratuite.